Donc, bonjour à tous et merci d'être venus. Alors, quand on nous a annoncé le thème des fêtes de la science cette année, donc qui est l'émotion de la découverte, nous avons tout de suite pensé que ça correspondait bien à notre métier. En travaillant sur cette conférence, on s'est souvenu de cette phrase qu'on entend très souvent, « Alors, vous trouvez des trésors ?» On entend beaucoup cette phrase sur les chantiers de fouilles, quand les gens viennent visiter les chantiers, etc. Alors évidemment, et c'est légitime, on pense en premier lieu que notre présence est liée à un trésor, à des choses rares, uniques et précieuses. Alors c'est un petit peu difficile d'annoncer qu'en vérité, nous avons le plus souvent entre les mains des tessons de poterie, des objets en fer bien rouillés, des ossements d'animaux, des tuiles, etc. Ce n'est pas évident de casser le mythe, et c'est pourtant nécessaire pour bien expliquer le but de notre métier. L'archéologue n'est donc pas un chercheur de trésors, mais ce qu'il va découvrir va l'émouvoir, car il est motivé par un seul but, comprendre les sociétés passées. Donc je vous présente tout d'abord notre institut, donc qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc, petit rappel rapide, c'est un établissement public de recherche qui est sous la double tutelle du ministère de la Culture et de la Recherche. Nos missions sont donc les diagnostics, les fouilles archéologiques, la recherche et bien sûr la valorisation, ce qui nous amène ici aujourd'hui. Et donc, petit rappel également, l'archéologie préventive intervient en amont des projets d'aménagement pour préserver les sites d'une éventuelle destruction. Une petite image rapide pour vous présenter tous les métiers qu'on peut retrouver sur un chantier de fouilles. Aussi bien le responsable d'opération, qui accueille le public, qui photographie, qui fouille, qui dessine, etc. etc. Donc une variété de métiers. Alors, tout d'abord, je voulais vous faire un petit point de législation. Donc, qu'est-ce qu'un trésor ? Alors, selon le Code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Et j'insiste sur le mot hasard. Pourquoi ? Parce que l'utilisation parfois du détecteur à métaux retire de facto cette notion de hasard puisque c'est un instrument de recherche. Et à partir du moment où on utilise un instrument de recherche, nous ne sommes plus dans le cadre de la découverte fortuite. Et donc ces découvertes tombent aussi sous le coup de la loi. Pour le code du patrimoine, on nous dit que personne ne peut utiliser un matériel qui utilise la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu une autorisation administrative. Cette notion-là, elle est importante puisque même un archéologue ne peut utiliser cet objet, ou en tout cas même décider d'aller fouiller à un endroit, sans avoir eu une autorisation préfectorale, c'est-à-dire avoir un but scientifique encadré. Nous intervenons uniquement dans le cadre d'une prescription de l'État. Voilà pour ce petit point de législation. Alors ici, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, un petit parallèle entre les mythes des trésors et la réalité, les réalités qu'on rencontre. Donc vous voyez ce fameux coffre au trésor qui fait rêver tant de monde. Et en face, cet objet que je vous montre ici, qui est aussi un coffre. Sauf que ce coffre, il n'en reste que les montants en fer et le reste du coffre en bois a brûlé. C'est un coffre qui a été découvert sur un chantier de fouilles à Chappes, dans l'Aube, sur une fouille INRAP. Donc c'était en soi une découverte remarquable, mais enfin qu'il a fallu quand même décrypter pour en saisir le potentiel. La même chose pour ces fameuses petites pièces qui illustrent souvent la notion de trésor. Vous pouvez voir le plus souvent, quand on trouve des pièces, et c'est suffisamment rare pour le souligner, elles sont le plus souvent corrodées dans une gangue de terre et dans un état parfois très endommagé. Je précise tout de même que ce sont des pièces en alliage cuivreux et non pas des pièces en or, sur cette image ici. Voilà, donc finalement, la réalité des découvertes quotidiennes de l'archéologue, c'est tout ça. Vous voyez qu'on est assez loin de l'image d'Épinal. Alors finalement, comment des vestiges aussi communs, parfois ténus, fragmentés, peuvent-ils nous procurer autant d'émotions au moment de leur découverte, même si on est loin du trésor qui brille ?
C'est ce que nous allons essayer de vous montrer à présent, à travers donc trois angles, les objets, les sites et les résultats d'analyse. Alors, en écrivant cette conférence, on a cherché à se remémorer chacune d'entre nous les découvertes qui nous ont procuré des émotions fortes et qui sont restées dans notre mémoire au fil des années. Alors, tout d'abord, j'ai choisi de vous présenter un site archéologique à Bréviande, tout près d'ici, dans l'Aube. Alors, le contexte de découverte est assez classique. Nous avons découvert une nécropole du néolithique lors d'une phase de décapage d'une fouille, une opération de fouille. En revanche, la surprise a été ce que nous avons pris au départ pour de simples petits cailloux situés autour du crâne du défunt. Le crâne est ici. Mais en y regardant de plus près, nous avons pu remarquer de petites perforations sur chaque élément. En réalité, il s'agit de petits coquillages qui ont été utilisés ici comme perles pour constituer une parure. Nous avons pu en dénombrer plus de 180 qui avaient été ici disséminés tout autour qui ont été retrouvés disséminés autour du corps du défunt et qui avaient été initialement apposés en décor de vêtements. Alors, l'étude des traces d'usure nous dira si ces parures ont été fabriquées spécifiquement pour un vêtement funéraire ou si elles ont été portées durant la vie de l'individu. En tout cas, l'une des hypothèses, c'est qu'il s'agissait d'une capuche brodée, comme on peut le voir ici, sur cette proposition de restitution. Ces éléments datent donc de la période du néolithique ancien, donc soit environ 5600 ans avant notre ère. Ces objets sont non seulement assez rares, mais ce qui nous a particulièrement étonnés, c'est de retrouver ces éléments dans un tel état de conservation, alors que chaque perle fait la taille d'un ongle, au contraire des ossements qui, eux, avaient été beaucoup plus abîmés par le temps. Je vais laisser la parole à ma collègue Cécile. Ça marche pas ? Voilà, si ça marche. Donc on va faire un bond dans le temps en avant, on va passer à l'époque gallo-romaine. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est une urne funéraire dans laquelle on a déposé les ossements brûlés de quelqu'un qui a été brûlé sur un bûcher. Et sous la flèche rouge, alors hop, ici, il y a un petit récipient en verre qui s'appelle un balsamer, dans laquelle il y avait un onguent, soit pour du maquillage, du cosmétique, soit pour des soins, un onguent de pharmacopée. Et ce qui nous a ému et bouleversé dans ce récipient, c'est qu'il était quasiment entier, en verre, avec le couvercle conservé. Bon, vous voyez tous les fragments ont été recollés, mais en général, on trouve que quelques fragments, et là, il était vraiment intégral. Voilà. Hop. Et puis, on continue avec la période gallo-romaine. Donc là, on est dans la Marne, à Compertrie, sur un site sur lequel il y avait un mausolée. Et près de ce mausolée a été découvert ce fragment de plomb, qui est une tablette qui était enroulée sur elle-même, qui mesure à peu près 5 cm de haut. Et en la déroulant, on s'est rendu compte qu'il y avait des inscriptions dessus. Et en décryptant ces inscriptions, en traduisant l'inscription, en fait, on s'est rendu compte que c'était une tablette de malédiction appelée Defixio. Et cette malédiction a été écrite par quelqu'un qui était en procès contre quelqu'un d'autre et pour réduire au silence ses adversaires. Alors, vous avez la traduction sous les images. Donc, je te prie, Pluton et Proserpine, mère des enfers, que tu subtilises l'esprit et la mémoire de Florentinus, de Severus et des avocats du même Florentinus. Si ceux que j'aurais cités en justice disent quoi que ce soit contre moi, ceux-là, puisses-tu les rendre déments et muets par la même démence que Pluton donne aux morts et qu'il n'ait plus plus de sens, ni de cœur, ni d'intuition. Donc voilà, l'objectif était vraiment de réduire au silence ses adversaires, mais sur le plan symbolique, en fait, pas forcément de les assassiner. Donc voilà, ce qui nous a touchés, là, c'est vraiment qu'on touche aux relations humaines au sens propre. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Charlotte qui va parler de quelques sites marquants. Carole, pardon, c'est Carole. Merci. Oui, donc, je voulais vous présenter un site particulier à mes yeux, qui a été donc mis au jour en 2010, tout près d'ici, à Rosières, près de Troyes, juste derrière les bâtiments de l'UTT, sous la chaufferie, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est à l'occasion d'un diagnostic que j'ai mené.
qu'on a découvert tout d'abord un très large fossé, un simple fossé, mais très très large, et qu'on a ensuite sondé pour découvrir à une profondeur de plus de 5 mètres d'importants restes en place, de mortier de tuileaux, de mortier hydraulique donc. Ce qui nous a amené à penser, après avoir consulté plusieurs collègues, qu'il s'agissait d'une adduction d'eau de la période antique, c'est-à-dire un aqueduc. Donc son examen approfondi lors de 2 campagnes de fouilles a permis de découvrir qu'une portion intacte de l'édifice était encore conservée, à près de 6 mètres sous le niveau actuel. Donc sa construction est établie par analyse radiocarbone entre 40 avant Jésus-Christ et 55 après Jésus-Christ. Il est fort probable que l'aqueduc ait été mis en place lors du développement de la ville au Haut Empire, en tant que chef-lieu des Tricasses, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle de notre ère. Alors, la découverte de cet édifice nous a particulièrement marqués, puisqu'il s'agissait de la première fois qu'il était mis au jour. On supposait son existence, mais son emplacement était inconnu. Nous avons eu donc une très bonne surprise aussi, en découvrant qu'une partie était parfaitement conservée, à tel point qu'on pourrait aussi presque l'emprunter comme un tunnel. Alors vous voyez, donc je vous explique un petit peu. Donc cette image-ci, il s'agit de la margelle qui se situait au sommet d'un regard qui était maçonné. Donc vous avez en bas la canalisation de l'aqueduc proprement dite. Ici un regard maçonné qui se trouvait dessus pour pouvoir visiter le puits, enfin, un puits de visite pour pouvoir l'entretenir. Et cette flèche vous indique donc l'état de conservation de l'aqueduc à l'intérieur. Une partie a été récupérée et donc détruite. En revanche, toute une portion de cet aqueduc est parfaitement en place. Et donc voilà, cette existence nous a... Son emplacement était inconnu, son état était très très bon. Et surtout, il ouvre vraiment d'importants sujets de recherche puisque nous ne savons pas encore où il prend sa source. Quelque part sans doute au sud-ouest de la ville. Voilà, les recherches sont en cours et on espère en savoir bientôt davantage. Je vais passer la parole à ma collègue Anne-Charlotte. Alors là, on va faire un bond dans le temps, puisque j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui une sépulture donc équine de la Grande Guerre qu'on a découvert à Isle-sur-Suip, donc dans la Marne. À peu près, c'est un village qui se situe à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Reims. Donc à l'origine, nous avons découvert cette fosse, hein, un peu informe, en 2014. Alors pas du tout dans un contexte, le contexte de la Grande Guerre n'était pas attendu sur ce chantier, voilà, en particulier, mais sur un site d'habitat de la fin du second âge du fer, donc c'est-à-dire le 1er siècle avant notre ère. Donc, parmi tous ces bâtiments construits sur poteaux de la fin du second âge du fer, nous avons eu la surprise d'avoir une fosse, en somme toute classique en surface, que nous avons décidé de fouiller par moitié, comme ça se fait donc pour nous de manière traditionnelle, avec l'aide d'une pelle mécanique. Donc, dans cette fosse, vous pouvez voir apparaître juste ici quelques fragments. Voilà. Donc on a tout dégagé manuellement par la suite et nous avons découvert une sépulture donc, de cheval. Un cheval en parfaite connexion anatomique, comme vous pouvez constater. En bas, on a fait un test pour voir la profondeur de cette fosse, pour estimer le temps de fouille. Et donc nous avons découvert toute une série d'objets. Vous pouvez voir des bouteilles en verre, des boîtes métalliques, donc ce qui nous a donné aussi un indice sur la période, la datation de ce cheval donc à la Première Guerre mondiale. Donc nous, pour récupérer ces objets, une fois les observations ostéologiques effectuées sur le cheval, nous nous sommes rendus compte justement que sa patte avant était fracturée, comme vous pouvez voir. Ici, vous avez l'os qui a éclaté. Alors ce n'est pas nous hein, qui l'avons... bouger lors de la fouille, parce que le but, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand on fouille justement une structure archéologique, le but est de ne pas faire bouger les objets, pour laisser les objets donc en position parfaite pour analyser les problèmes de taphonomie, notamment que Cécile pourra vous parler si vous souhaitez pour les questions. Voilà. Donc l'os étant cassé, ça nous donne un indice
sur le, la mort, en fait, la raison de la mort de ce cheval, puisque, bon, pour ceux qui le savent, un cheval avec une patte cassée ne survit jamais vraiment longtemps. Donc, souvent, cet animal, s'il n'est pas mort de cette blessure, est sacrifié. Donc, en laboratoire, nous avons nettoyé les os et nous avons eu une belle surprise. Donc, pour comprendre le motif de la fracture de la patte du cheval, vous pouvez voir ici une bille en plomb. Donc, il s'agit d'un plomb, d'une bille de shrapnel, donc d'un obus. Donc les obus shrapnel étaient des obus dans le corps de l'obus était rempli de multitudes de petites billes en plomb, d'à peu près d'un centimètre de diamètre. Et ces obus étaient calculés et prévus pour exploser à hauteur d'homme de manière à faire un maximum de dégâts. Donc ce cheval a été blessé par un éclat, par une bille de shrapnel. Donc nous démontons le squelette du cheval pour récupérer ces objets. Donc nous sommes tombés, la grande surprise, sur un crâne d'ours, voilà, présentant des traces de taxidermie. Alors vous pouvez voir ici des clous, des restes de clous. Sur le crâne, on voit également le travail de découpe de la peau avec de légères incisions qui ont marqué le crâne. Donc, pour l'instant, on n'a aucun exemple de comparaison. C'est vraiment un unicum, on va dire. Hein. On ne connaît pas de crâne d'ours présentant des traces de taxidermie en contexte archéologique. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même... On ne s'attend pas du tout à voir ça dans notre milieu professionnel et encore moins sous un animal, sous une sépulture de cheval. Donc, ce crâne est particulier puisqu'ici, il a été trouvé également avec l'ensemble des griffes, pas complètes, les griffes des pattes avant. Et également des yeux de verre, qui ne sont pas photographiés ici ni présentés, donc les yeux de verre, voilà, qui venaient remplacer les orbites, l'orifice naturel de l'animal. Donc, ce que l'on voit également en étudiant le crâne à l'intérieur, vous pouvez deviner ici des tiges métalliques, qui, après observation par un spécialiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, ce crâne a voyagé, donc nous a renvoyé son analyse, puisqu'à l'intérieur, il existe beaucoup de renforts métalliques accompagnés de gangues de plâtre, que l'on peut encore deviner ici. Donc, après réflexion, cet ours a été traité pour être... En réalité, il s'agit d'une peau, voilà, d'après ce spécialiste, il s'agit d'une peau d'ours, dont le crâne aurait été repris une deuxième fois par quelqu'un qui n'était pas spécialisé dans la taxidermie, puisqu'il s'agit d'un travail grossier pour implanter une armature métallique dans un second temps. Alors l'hypothèse, c'est pour faire de cette peau un étendard. Alors vous allez me dire, pourquoi un étendard, une peau d'ours en contexte de grande guerre? Il faut savoir que donc, dans ce village d'Isle-sur-Suippes, ce village était occupé pendant 4 ans, donc pendant toute la durée de la guerre, et a été libéré qu'en septembre 1918 par les tirailleurs sénégalais et français. Et donc cette ville, notamment, faisait partie d'une base arrière des officiers allemands. Donc il faut savoir aussi que l'ours est également une figure, on va dire, un peu emblématique des régiments allemands, notamment pour la Bavière ou pour la Berlin. On connaît, c'est donc une figure patriotique, et il n'est pas impossible, pour une raison inconnue, qu'il ait récupéré une peau d'ours pour en faire un étendard et peut-être éventuellement devenir la mascotte d'un régiment. C'est l'hypothèse, mais ça c'est vraiment une émotion particulière, on ne s'attend jamais à trouver un crâne d'ours. Voilà. Donc parmi tous ces objets, donc le cheval, en dessous le cheval on a la peau d'ours. Ah oui, fait important, elle était vraiment en position bien à plat sous le cheval, elle ne s'était pas jetée, non, il y avait vraiment une intentionnalité entre ce cheval et cette peau de dépôt. Ici vous avez parmi tout ça un coquillage, alors ce coquillage a été montré aussi à un spécialiste qui nous a informé qu'il s'agit d'un Panthera tigris, voilà, de mémoire, et donc c'est un coquillage qui se trouve sur les côtes de la mer Rouge ou dans l'océan Indien. Alors on est bien loin des côtes de la mer du Nord en Allemagne, donc, ou même en France. Donc c'est, voilà, on est vraiment venu avec sur le front à la guerre. Ici vous avez donc permis encore une statuette de dog allemand, donc en matière en régule, donc qui est un alliage de plomb, je crois, hein, sans me tromper, et qui imite les bronzes de Vienne. Donc cet objet servait de presse-papier ou alors d'essuie-plume, voilà, sur le dos de l'animal. Avec tout ça, on a trouvé également un kit de, comment dire, un nécessaire de toilette, voilà, alors de civil, hein, donc là on est toujours en contexte de guerre. Vous avez un porte-savon, un broc, donc tout ça c'est de la céramique à mâche, donc du nord de la France.
Donc on est en contexte de guerre, la personne avait en tout cas son nécessaire de toilette particulier de facture civile. On est quand même bien loin du simple homme de troupe qui éventuellement se lavait dans une des tôles émaillées. Avec tout ça, nous avons encore retrouvé, donc ici vous voyez, une gravure sur matière plastique, donc qui refait à peu près 5 cm de diamètre, du général Hindenburg. Donc, par comparaison, nous savons qu'il s'agit d'une gravure qui ornait l'intérieur d'un miroir personnel de poche. On le sait avec cet exemplaire ici, représentant le Kaiser, donc découvert à Boult-sur-Suip sur une nécropole, donc un cimetière allemand, fouillé en 2015 à quelques kilomètres d'Île-sur-Suip. Donc, par association, on sait que cette forme et la taille du médaillon était donc un miroir de poche. Les figures patriotiques sont très importantes pour les soldats allemands, bien plus que l'armée française. Voilà, il y a un vrai élan patriotique chez l'Allemagne, chez les belligérants allemands, pour les figures emblématiques de l'armée. Donc avec tout ça, on a également trouvé quelques équipements militaires quand même. Donc là, vous avez les restes. Voici un casque à pointe, ce qu'il en reste, donc allemand. Vous voyez la pointe ici corrodée, donc en fer. Ici, vous avez les restes de chaussures. Voilà. Et ici, justement, l'éperon qu'on a derrière la botte avec le reste de semelle. Nous avons également mis au jour une équerre d'arpenteur. Alors c'est cet instrument il manque le pied. Hein. Vous l'avez ici en reconstitué. Donc, qui sert dans l'armée en tout cas, à soit tracer les tranchées, voilà, ou alors qui sert au réglage des tirs des canons. Et enfin, encore une belle surprise qui nous renseigne finalement, qui nous donne des indices pour comprendre un petit peu tout cet ensemble de vestiges. Donc là, dans un premier temps, on a retrouvé un amas de sortes de tissus. Donc une fois qu'on s'amusait à tout remonter, tout regarder pour voir de quoi il s'agissait. Donc, au début on pensait que c'était une manche d'uniforme, mais la matière n'était pas très cohérente avec du tissu. Donc on a tout remonté, c'est un objet qui fait à peu près 80 cm de long. Donc on s'est dit que ça faisait quand même peut-être un petit peu trop. La forme ne correspondait pas à une manche d'uniforme, une manche de manteau par exemple ou de veste. Donc on a commencé à observer, vous voyez tout ce qui est en rouge, donc ce sont probablement des trous de shrapnel. Donc le shrapnel, on en revient au cheval qui avait sa patte cassée avec la bille de plomb. Donc ces trous font à peu près également 1 cm de diamètre. Alors on peut en voir, on peut en dénombrer un certain nombre. Et justement, ce qui renforce cette hypothèse, vous pouvez deviner ici des traces de découpe, mais très nettes. Donc comme maintenant, on va aux urgences, on se blesse, on ne prend pas le temps de nous déshabiller, on va couper de manière à intervenir tout de suite sur la blessure. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas une veste, peut-être pas une manche. Et en faisant des recherches iconographiques, nous sommes rendus compte que cela pouvait correspondre en fait, à un renfort de cuir de pantalon. Là c'est d'un officier, mais qui était utilisé dans la cavalerie, ou du moins par un cavalier. Donc tous ces objets paraissent un petit peu hétéroclites, un peu mélangés. Donc en tout cas, ça nous donne quand même quelque chose, un renseignement. Le but étant, et c'est très émouvant là-dessus, c'est qu'à partir donc d'une simple fosse, on va découvrir un cheval. Donc ce cheval, finalement, l'animal, on n'a pas de corps associé, on n'a qu'un cheval, on n'a jamais de corps de soldat, ni plaque d'identité. Mais ça raconte quand même l'histoire d'un homme qui apparemment a été blessé, on peut le deviner, par sa monture, et qui, au vu des blessures et des possibles arrachements, là que vous voyez, ça peut être des éclats d'obus, a été amputé, ou, dans le pire des cas, vu l'étendue de blessures possibles, est mort. Donc, en même temps que son animal. Donc, on voit un geste, une intentionnalité dans cette sépulture de cheval, justement. C'est aussi un exemplaire unique, parce que c'est le seul exemplaire connu, pour l'instant, d'une fosse taillé parfaitement à la taille du cheval. Il ne faut pas oublier qu'un cheval, ça fait plus de 600 kilos. Donc, sur un champ de bataille ou autre, on ne va pas s'amuser à enterrer malheureusement tous les animaux. Donc, ce cheval a eu un traitement particulier. Et on pense qu'il s'agit des mobiliers personnels d'un soldat, d'un officier, dont le cheval a été blessé et peut-être a été mort. Et donc, on peut imaginer, on n'en a pas la preuve pour l'instant, qu'il s'agit peut-être de ces hommes de troupes qui ont rendu, quelque sorte, un dernier hommage à leur camarades tombés au combat. Donc pour l'instant, on entame les démarches d'archives dans les services des armées allemandes. C'est pas toujours très simple, mais on espère un jour revenir pour vous présenter peut-être le résultat et peut-être avoir retrouvé le propriétaire de ce cheval.
Donc c'est très très émouvant. Voilà, c'est, moi c'est quelque chose qui bouleverse, surtout ces périodes assez contemporaines. Je rappelle aussi que certains collègues ne sont pas forcément toujours très à l'aise pour fouiller ces périodes contemporaines parce que ça peut-être nous rapproche un peu trop du vivant et de peut-être nous-mêmes. Alors, maintenant, on va partir sur une autre échelle d'analyse, une autre échelle de lecture, pardon. Il s'agit de vous parler un petit peu des différentes analyses qu'on peut avoir à partir que ce soit des objets, des sites. Donc ici, c'est des petites images pour montrer qu'on utilise la microscopie, qu'on va utiliser différentes analyses, notamment voilà, on peut utiliser aussi le microscope électronique à balayage. Voilà, tout dépend. Il y a vraiment une panel d'analyses toutes diverses et variées. Dont nous allons vous parler. Je vais laisser la parole à Cécile. Alors, on va refaire un bond dans le temps en arrière. On va repartir sur la période gallo-romaine. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont deux tombes qui sont à l'intérieur d'un cimetière d'une trentaine de tombes. Ces deux tombes étaient proches l'une de l'autre, voire même à touche-touche, juxtaposées. Et on voit qu'en fait, elles sont agencées de la même façon. On a le corps, l'amphore qui est posé au pied de chaque côté, le dépôt d'un quartier de cochon sur le côté, de la viande dans un récipient, des récipients verts autour du crâne. Et donc, en fait, ces deux tombes sont presque en miroir, en fait. Elles ont une organisation en miroir. De plus, ce sont deux femmes âgées. Elles étaient toutes deux porteuses d'un caractère dentaire qui n'apparaît pas du tout dans le reste des défunts de la nécropole. Et l'organisation de ces tombes, après restitution, nous fait supposer qu'elles étaient enterrées, déposées dans un cercueil qui était déposé dans une fosse coffrée en bois, car la taille des fosses est deux fois plus large que que celle des autres tombes alentours qui accueillaient un défunt avec quelques mobiliers, mais pas autant que ces deux personnes. L'une de ces femmes était accompagnée d'un couteau qui était dans un fourreau à décor zoomorphe. Donc le décor est une panthère qui n'est pas du tout un animal qu'on retrouve dans la zone d'Arcis-sur-Aube. C'est un animal qui, pour l'époque romaine, symbolise la nature sauvage, donc qui était assez prisé pour les Romains. Donc pour ce décor, il y a deux hypothèses. Soit le thème du décor a voyagé jusqu'aux alentours d'Arcis-sur-Aube, soit c'est un artisan qui avait vu des panthères et qui est venu s'installer dans la zone d'Arcis pour fabriquer ce fourreau. Ce fourreau est doté d'un système de suspension qui a été cassé durant l'utilisation de l'objet et qui a été réparé par deux tôles en bronze. Et la défunte a souhaité être enterrée avec son couteau personnel. Donc là aussi, on touche aux objets personnels des défunts. Donc ça nous rapproche aussi de nous, des objets qu'on utilise dans notre quotidien. On repart dans le temps au début de l'époque médiévale, au VIe siècle. Donc là, on est à Saint-Dizier. C'est trois sépultures qui étaient regroupés dans une zone sur un petit promontoire, dans une zone isolée d'autres structures archéologiques. Trois tombes privilégiées. Donc ici, vous avez une jeune fille et il y avait deux hommes. Les hommes ont le même type de tombe que pour les deux femmes d'Arcis-sur-Aube, c'est-à-dire dans un cercueil déposé dans une tombe coffrée avec du mobilier de l'époque mérovingienne, donc du début du Moyen-Âge. Grâce aux fibres textiles qui ont été minéralisées par la corrosion des objets métalliques, on a pu restituer leurs costumes. Donc vous avez ici une image des costumes des trois défunts. Et notamment pour la jeune fille, on suppose qu'elle avait une tunique en lin qui était fermée par les deux boucles au niveau du cou, sur laquelle il y avait un manteau en laine fermé par une ceinture. Et sur la tête, elle avait sans doute un voile de soie. Donc tout ça grâce à l'analyse des fibres textiles dans la corrosion des objets métalliques. Toujours pour Saint-Dizier, nous avons fait des analyses isotopiques. Enfin, les personnes spécialisées dans ce genre d'analyse ont étudié les analyses. Donc, c'est les analyses du carbone et de l'azote. Et ça nous permet de savoir quel type d'alimentation ils avaient, au sens très large. Donc, soit l'alimentation carnée, soit l'alimentation aquatique, soit l'alimentation végétale. Et également, ça nous permet de savoir si leur alimentation correspond à l'environnement dans lequel ils ont été enterrés.
Donc les trois ronds rouges, ce sont les trois morts de Saint-Dizier. Et les petites croix noires, en fait, ce sont les sites de référence du nord de la Gaule et de la Belgique que vous avez ici. Donc on voit que les trois défunts de Saint-Dizier sortent de, à part celui-ci, mais sortent de la moyenne des autres sites. Et donc les analyses ont montré qu'ils avaient une alimentation riche en viande rouge et en graisse. Et ceci confirme les observations ostéologiques sur l'individu le plus âgé. Donc il y avait deux hommes, un jeune et un vieux. Donc le plus âgé avait des traces d'une maladie qui est déclenchée par une alimentation complètement déséquilibrée, beaucoup trop riche en viande et en graisse, et qui en fait qui soude les articulations. Donc en fait, les indices qu'on a pu observer sur les ossements et les analyses chimiques vont dans le même sens d'une alimentation particulière qui n'est pas celle du commun des populations de l'époque. Et avec le mobilier déposé donc, dans ces tombes, on suppose donc que on a déterminé que c'était des défunts de l'élite franque, donc du VIe siècle après Jésus-Christ. On repart dans le temps en arrière, donc au néolithique, à la fin de la période néolithique. Donc là, on est à Bréviande, dans une sépulture collective. Donc il y avait sept individus qui ont été déposés, pas forcément en même temps, mais à peu de temps d'intervalle. Il y avait donc des hommes, des femmes et des enfants. On a fait des analyses ADN sur tous les défunts et il est ressorti que trois défunts étaient très fortement apparentés. En rouge, vous avez le squelette d'un enfant d'à peu près 6 ans, qui est le fils de la femme qui est en bleu et le fils du monsieur qui est en vert. Donc pour ça, on a utilisé l'ADN mitochondrial qui retrace les lignées maternelles donc pour la mère et l'enfant, et l'ADN du chromosome Y qui retrace les lignées paternelles. Voilà, donc là, on aborde vraiment la famille nucléaire et on peut supposer que tous les sept individus qui étaient dans la tombe étaient apparentés, mais là, ça, c'est vraiment, les relations sont très claires entre ces trois individus. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Charlotte pour la suite. Bon, là, on passe du néolithique à énorme bond, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va parler d'un conflit contemporain qu'on connaît tous pourtant, qui a documenté des films, énormément de choses sur ce conflit. Donc là, moi, j'ai envie de vous parler un petit peu des recherches d'archives, voilà, ce à quoi ça peut nous mener, en partant bien sûr du fait archéologique. Donc ici, cette photo, donc, on va parler donc, d'une découverte qui a été faite à Sainte-Maure en 2013, donc Sainte-Maure à côté de Troyes. Donc ici, vous avez sur cette photo une fosse. Alors, le creusement n'est pas facile à voir, hein, on est dans la craie, voilà, ici, il faut suivre la souris, voilà, qui a été creusée de cette forme-là. Et donc en surface apparaissaient des éléments métalliques, voilà, des choses. Et donc on se méfie toujours d'avoir des éléments un petit peu contemporains comme ça. Donc on soupçonnait par la morphologie donc, du creusement en plan la présence éventuelle d'une sépulture de soldats. Donc, en tant qu'archéologue, nous n'avons pas le droit de fouiller des sépultures de la Première et Seconde Guerre mondiale. Voilà, les consignes sont claires. Nous devons, pour ça, quand nous suspectons la présence d'une tombe, d'un conflit contemporain, nous devons faire un sondage afin de déterminer la présence ou non d'ossements. Et le but étant aussi de trouver un élément d'identification pour trouver le pays d'origine. Donc ça se trouve généralement sur les boutons des vestes. Chaque pays a ses propres boutons. Donc c'est à partir de ça que l'on peut identifier l'appartenance d'un soldat à un pays. Donc vous voyez, on a fait le sondage, nous étions au fond, donc il n'y avait pas d'os. Donc nous avons pris la décision de prélever ces éléments. Donc, en prélevant, nous avons donc trouvé deux fusils, voilà, que vous avez ici, donc français, un de type MAS 36, qui est ici avec la baïonnette conservée, encore en place. Ici, vous avez un fusil Berthier M16, donc c'est un modèle très courant avec ses chargeurs de lame 5 coups. Vous avez les restes d'un masque à gaz, ici. Voilà. Ici, vous avez les restes des boucles et des cuirs, nous soupçonnons la présence d'une cartouchière. Et en bas, des éclats d'obus, voilà. Et là, le seul effet personnel finalement de quelqu'un, c'était un petit fourreau de pipe en bois et on a également la présence de boutons d'uniforme.
Donc en prélevant, donc on repart un petit peu en arrière, vous voyez, c'est quand même pas la structure, pour nous archéologues, la structure du siècle, hein, faut quand même le dire, c'est pas, on ne s'attend pas à trouver quelque chose de très palpitant hein, d'un point de vue scientifique. Et pourtant, en prélevant ces objets, nous avons trouvé en dessous ces fusils, qui étaient pour bien disposés avec soin. Ils avaient été déculassés volontairement, etc. Donc ils ont pris le temps de le faire. Donc sous ces objets, nous avons découvert la présence de restes humains, donc avec un corpus de 13 fragments osseux, qui sont tous composés de restes de connexions labiles de la main, hein, excepté la rotule. Voilà, ça, il s'agit de la rotule. Et ici, vous avez deux éléments, deux fragments indéterminés, de membres indéterminés. Donc ici, vous avez des phalanges. Si je ne me trompe pas, voilà. Et donc là, donc c'est d'ailleurs Cécile qui a fait l'identification des os. Donc je vais lui passer la parole très rapide parce qu'elle sera plus à même d'en parler que moi. Alors donc ce sont des os du poignet et de la main. Donc ici ce sont deux os du poignet, donc le lunatum du poignet gauche, et c'est le même os. Donc on a chacun un os droit et un os gauche normalement. Et donc là, on a deux lunatomes gauches, un qui est plus abîmé, avec un peu plus d'arthrose, et l'autre qui est mieux conservé, on va dire, plus frais. Et donc, ce qu'on a supposé, c'est que ça appartenait forcément à deux individus différents, que l'un des deux individus était plus âgé ou avait plus une activité physique, une usure du squelette plus avancée, et que l'autre était plus gracile et plus jeune. Et ces ossements ont confirmé ce qui a été découvert avec les objets. Merci. Donc, à partir de ces quelques mobiliers et ces 13 fragments osseux, ben, je me suis dit, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver à qui appartiennent ces fragments d'os ? Donc, je me suis rendue sur le site de la base de données du ministère des Armées, donc qui s'appelle SGA, Mémoire des Hommes, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons la chance, par rapport à beaucoup d'autres pays, que le ministère ait mis en ligne et numérisé l'intégralité ou presque de ses archives. Donc ça concerne tous les conflits et opérations auxquels la France a participé, voilà, donc jusqu'au conflit actuel, quasiment. Donc vous avez plusieurs champs. Alors je ne sais pas si on voit très très bien, ce n'était pas évident de tout marquer. Donc voilà, ça on a le choix. On peut rentrer soit par nom, enfin voilà, on peut, si on a les plaques d'identité, etc., pour avoir accès un peu aux renseignements, les données sur le soldat. Mais bon, nous on n'avait que 13 restes d'os, donc je me suis dit, bon, on va déjà essayer par lieu de décès. Voilà, donc je suis allée sur la base de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et j'ai rentré le lieu de décès. Alors du coup, je me suis rendu compte que bah, il fallait bien faire attention à l'orthographe, parce que comme toute base de données, il y a forcément toujours un peu des bugs, hein, des fois. Donc celui qui saisit l'information va l'écrire de manière différente. Donc j'ai essayé S-T-E, mort, Sainte-Mort, et exactement en écrivant Sainte-Mort, j'ai essayé plein d'orthographes. Donc ça m'a donné un panel de noms, donc de soldats qui sont morts sur la commune de Sainte-Mort au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc ben, j'ai fait un par un les éléments, parce que j'avais en tête donc, cette idée de par rapport au mobilier, un plus âgé, un plus jeune, voilà, bon, on est parti de ce qu'on avait. Et deux noms sont sortis, alors, voilà, à partir de donc, là, Gabriel Lance, alors qui est mort à 30 ans, et qui voilà, fait partie du 2e régiment mixte malgache. Et c'est très bien, puisque ce bouton d'uniforme, je vous l'ai dit tout à l'heure, renvoie à un pays et un régiment aussi en particulier parfois. Donc là, il s'agit d'un bouton appartenant aux troupes coloniales françaises, donc, dont fait partie les régiments mixtes malgaches. Bon, c'est un peu léger pour dire que c'est lui, hein, on est bien d'accord. Mais bon, c'est un indice que les autres soldats n'appartenaient pas du tout à ces régiments. Donc le deuxième, on est parti sur le fusil, qui est un fusil MAS 36, donc qui est une arme qui n'est pas du tout fréquente au début de la guerre, d'après les archives, et qui est donnée uniquement aux régiments d'élite au tout début, dont l'artillerie montagne. Effectivement, un des militaires correspondait bien. Il s'agit de Claude-Marie Fenet, donc qui a également 30 ans, et qui fait partie du 2e régiment d'artillerie de montagne. Donc, en fait, c'est ce qu'on a comme renseignement sur la base de données après avoir rempli ces champs. On clique sur le nom, et nous avons cette fiche qui sort. Bon, ça ne donne pas beaucoup d'informations, mais vous avez cette cote, et surtout, si vous voulez avoir accès, parce que c'est quand même encore un conflit considéré comme, entre guillemets, actif,
Donc, on n'a pas accès, comme à la Première Guerre mondiale, à l'intégralité du dossier des militaires. Donc, il faut faire une demande au service historique de la défense. Et il faut justifier de pourquoi on demande les renseignements. Donc, vous, ce n'est pas sûr que vous puissiez y arriver, mais soit il faut être de la famille, soit il faut avoir un sujet de recherche. Donc, étant archéologue, ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc, j'ai motivé ma demande et j'ai demandé plusieurs noms, voilà, une dizaine de noms, pour avoir accès au dossier. Donc, j'ai obtenu ces dossiers. Et en étudiant les dossiers, donc, vous avez absolument tout. Hein. Là, c'est qu'un extrait. Vous avez aussi les lettres des épouses qui demandent des nouvelles de leur mari, etc., etc. On va vraiment, c'est le dossier vraiment personnel des armées concernant ce soldat. Donc, en épluchant les archives, nous voyons donc M. Fenet, qui est décédé le 15 juin 1940 à Sainte-Maure, donc blessé à la tête, et qui a été inhumé, on voit, le 16. Donc, on voit une note qu'il a été inhumé à l'extrémité de la propriété de Rivère-Henriette, route de mairie à Culoison, commune de Sainte-Maure. C'est exactement la parcelle sur laquelle nous sommes intervenus, après recherche avec le cadastre ancien. Je ne vous ai pas mis toutes les documentations. Donc, bon, déjà, c'est intéressant. On peut se dire que ça peut marcher. Ensuite, j'ai regardé le dossier de M. Lance Gabriel, et on se rend compte alors, qu'il a été enterré, lui, le 19 juin 1940, à Culoison, à l'extrémité de la propriété de Madame Rivière, à Berry, Culoison, Sainte-Maure. Donc exactement sur la même parcelle. Voilà. Donc il a été, lui, blessé, blessure de guerre. Donc on se dit quand même, il y a quelque chose qui me dit qu'on est peut-être sur la bonne voie. Et justement, nous avons également une autre petite note qui a été rajoutée bien après. Donc Lance Gabriel a été réinhumé dans un cercueil à Sainte-Maure, donc dans la même commune, le 12 septembre 1941, dans le cimetière communal à la tombe numéro 15. Et si je reviens en arrière, le soldat Fenet a été inhumé dans le cercueil le 12, à la même date, septembre 1941, également dans le cimetière communal, mais à la tombe 14, à la tombe voisine. Donc, bon, au niveau chronologique, c'est quand même très très proche. Mais en regardant, on voit bien qu'il y en a un qui a été inhumé le 19 et l'autre le 16. On se dit, bon, il y a peut-être un problème. Mais en regardant bien dans le dossier de M. Lance, il y a une note, un rajout de la mairie, qui nous indique que qu'en l'an 1940, le 19 juin, à 18h, nous avons constaté le décès remontant à 4 jours. Donc en fait, il est mort le 15 et non le 19. De M. Gabriel Lance, soldat infirmier du 2e régiment d'artillerie de montagne. Donc il explique. Et donc qu'il a été blessé à l'épaule droite, à Rilly-Saint-Cyr, le 15 juin 1945, qui est décédé quelques heures plus tard à Culoison. Donc, voilà. Et on apprend également qu'il n'appartiendrait pas au régime, l'armée coloniale, mais au 2e régiment d'artillerie de montagne, comme l'autre. Et donc, je me suis dit, c'est quand même drôlement troublant, on va essayer de plonger dans plus d'archives. Et donc là, j'ai réussi à trouver, en fouinant dans les tréfonds de l'Internet, nous sommes tombés sur un site Ancestramil qui a numérisé beaucoup de journaux de marche, donc des soldats, de la Seconde Guerre mondiale. Et nous retrouvons, à mention du 15 juin, l'information comme quoi l'infirmier Lance et le canonnier Fenet sont mortellement atteints et ils sont laissés dans une maison du village de Sainte-Maure, assistés par le maréchal des logis et son infirmier. Ça fait quand même beaucoup de sources qui nous indiquent qu'il pourrait s'agir, ces 13 restes osseux pourraient appartenir à ces deux soldats. Donc l'épilogue, en réalité, à partir de cette structure archéologique, on a beaucoup d'informations, pourtant ça payait quand même pas de mine au démarrage. Donc on a pu remonter, grâce à l'étude des archives, au fait que ces deux soldats, en tout cas, ont été enterrés une première fois dans cette fosse-là, dans le champ, une sépulture un peu d'urgence, on va dire, entre guillemets. Ils ont été exhumés une seconde fois, donc en 1941, inhumés dans le cimetière communal, et on apprend dans le dossier également qu'ils ont été exhumés une seconde fois pour être restitués à leur famille, quasiment en même temps, en 1948. Donc voilà, cette petite fosse avec quelques objets métalliques dedans est en réalité une sépulture d'attente qui est réalisée de manière entre guillemets sommaire, en attendant de pouvoir inhumer les corps ou le corps dans leur sépulture définitive. Donc en réalité, c'est même une sépulture d'attente double, puisqu'ils ont été exhumés et inhumés trois fois, exhumés deux fois.
Donc, je n'ai pas la certitude aujourd'hui que ce soit, il n'y a peut-être qu'un test ADN hein, avec les descendants de ces personnes-là qui pourraient confirmer l'appartenance de ces 13 os à ces soldats. Enfin, comme il s'agit bien effectivement du soldat Fenet et du soldat Lance. Mais en tout cas, cette enquête, je l'ai faite à titre personnel, elle a duré plus d'un an. J'étais peut-être pas obsédée, mais j'ai voulu savoir, voilà, c'est bien au-delà du travail d'un archéologue, entre guillemets, dans un cadre d'un rapport, parce qu'on parle de l'émotion, on y est, et là, ouais, c'est quelque chose qui m'a, bon, à titre personnel, puisqu'on est là pour en parler, qui m'a bouleversée, et qui voilà, je me dis, ben, 13 os, et puis potentiellement toute cette histoire derrière. Voilà, je vais laisser Carole conclure. Merci. Donc, pour conclure... Donc, on vient de le voir, hein, nous n'avons jamais de certitude absolue, à la différence des nombreuses disciplines qui sont exercées au sein de cette université. Nous tentons d'approcher une vérité en proposant des hypothèses les plus plausibles et en croisant les apports de plusieurs spécialités afin de reconstituer une histoire. Bien sûr, nous nous appuyons sur... toute une série de spécialités, donc on travaille en pluridisciplinarité. L'objectif, effectivement, c'est de reconstituer l'histoire des sociétés du passé. Ce que nous avons essayé de montrer aujourd'hui, c'est que l'émotion de la découverte, puisque c'est le thème cette année, est réellement au cœur du métier de l'archéologue, et il va nous suivre tout au long de notre carrière. Parfois, ce sont des découvertes surprenantes, inattendues, qui vont piquer notre curiosité et nous pousser à approfondir un sujet parfois longtemps. Parfois, nous allons nous sentir vraiment, vraiment chanceux de retrouver un objet pourtant très, très fragile, conservé dans le sol depuis des siècles. Mais le plus souvent, nous allons être émus, ressentir une véritable émotion devant un objet du quotidien ou un site archéologique qui a traversé les millénaires, pour représenter un véritable témoignage de la vie d'une population passée. C'est ce lien de proximité entre leur vie et la nôtre qui nous pousse sans doute à continuer d'exercer ce métier. Et en conclusion, et si le vrai trésor de l'archéologue était l'opportunité d'ouvrir une fenêtre sur le temps? Merci de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence. En tout cas pour ma part, j'ai vraiment senti l'émotion que suscite le travail au travers de toutes ces découvertes. Alors du coup, tu as dit si on avait des questions. Alors moi, j'en ai deux questions. La première, c'est de savoir si aujourd'hui je me trouve sur le terrain de Arcis-sur-Aube et que je découvre quelque chose en matière de propriété, comment ça se passe? Est-ce que je suis propriétaire? Est-ce que c'est l'État? Voilà, c'était la première question. Merci pour cette question. Compliquée. Effectivement, la loi, elle est assez claire. Aujourd'hui, on ne peut pas effectuer des fouilles sur le terrain qui nous chante. Il faut donc une autorisation préfectorale pour effectuer des fouilles. Si on est chez soi et qu'on découvre un objet dans son jardin, on est dans l'effet du hasard. Dès lors qu'on utilisera un objet de recherche, tel qu'un détecteur de métaux, on sort du cadre. Et à ce moment-là, on est dans une... Je vais utiliser un gros mot, mais une fouille illégale. Voilà, donc... Effectivement, si on doit savoir à qui appartiennent les vestiges, il faut s'en référer au Code du patrimoine, à la loi qui a été écrite dans ce sens, qui a été réformée récemment, donc la nouvelle loi du patrimoine. Voilà, c'est quelque chose d'assez encadré et voilà, faut pas faire n'importe quoi avec. Merci beaucoup. Et une autre interrogation que j'avais, c'était comment vous faites pour... Alors, vous avez exposé pendant la conférence plusieurs techniques, mais comment vous faites pour dater les objets? Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a pour la Seconde Guerre mondiale, il y a un travail de recherche, notamment sur regarder sur les boutons, tout l'univers. Mais sur des objets, comment vous allez vous faire aider pour pouvoir les dater? Des objets qui ont plus de 500 ans. Alors en fait, les objets sont étudiés par des spécialistes qui connaissent et les objets et la période. Donc chaque spécialiste
est assez porté sur une période en particulier. Il y a des typologies qui décrivent les objets, les décors, les formes des objets, et qui sont maintenant bien connues. Et donc, on peut dater avec ces typologies. Et parfois, quand il n'y a pas d'objet, on fait des analyses C14, carbone 14, qui nous permettent d'avoir une date. Donc, ces analyses sont sur les ossements, sur des graines ou sur des charbons de bois. Voilà. Non, il y a quand même juste aussi des fois des plateaux de datation. Malheureusement, le carbone 14 ne fonctionne pas. Alors, je ne suis pas spécialiste vraiment, mais voilà, ne me demandez pas pourquoi exactement. Mais en tout cas, voilà, il y a des périodes chronologiques qui sont aussi très resserrées. Par exemple, les périodes contemporaines où les phases sont très resserrées, ça ne va pas nous servir à grand-chose parce que la datation carbone, elle aura une fourchette qui sera bien trop large pour pouvoir vraiment caler les choses et les événements. Ça fonctionne généralement bien sur les périodes anciennes, voilà, la préhistoire, enfin jusqu'à une certaine date, hein, pas au-delà de, je crois, ne pas tromper, 40 000 ans, voilà, parce qu'à partir de là, il n'y a plus assez de taux de carbone en fait dans l'os ou dans les os qui sont conservés, donc on ne peut plus réaliser d'analyse C14 sur un os ou un charbon qui a plus de 40 000 ans. Alors après, on passe par d'autres méthodes de datation. On peut, alors je ne sais pas si c'est la thermoluminescence, il y a plein de possibilités, mais bon, nous, on l'utilise rarement quoi, dans le cadre de l'archéologie. Voilà, après, on peut aussi dater en fonction des couches géologiques. Donc voilà, pour certaines, on peut recaler les choses. Pour les périodes anciennes, toujours la préhistoire. Tout ça, c'est, donc on en revient, parce que je remets la diapo sur la conclusion, voilà. On est passé un peu vite, mais voilà, il y a quand même des choses, on est vraiment dans la pluridisciplinarité pardon, dans notre profession, et on peut rien faire tout seul, on peut pas être un responsable d'opération ou un spécialiste tout seul dans son coin, non, il faut vraiment collaborer, être au courant aussi discuter entre nous, être au courant des nouvelles méthodes, des nouvelles découvertes, et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre profession. Donc voilà, je voudrais quand même insister sur la notion, vous parlez des détecteurs à métaux, alors je me monopolise un peu, mais sur la question du bel objet, parce que c'est souvent ça, souvent on voit des détectoristes qui viennent nous voir, hein, des fois de bonne volonté, c'est rare, mais qui viennent nous voir et nous montrent une pièce qu'ils ont trouvée ou pour identification. Mais en fait, nous, ça, le bel objet, ça ne nous intéresse absolument pas, parce que malheureusement, il est sorti de son contexte de découverte, comme on vous l'a montré parmi tous ces exemples. C'est pas juste l'objet qui compte, c'est pas le beau poignard avec la panthère dessus, c'est dans quel contexte il a été découvert, associé à tel corps, etc., etc. Le problème, c'est qu'en utilisant un détecteur à métaux, on sort l'objet de son contexte, et pour nous, ben voilà, bon, ok, il y a une pièce en or ou autre chose, mais ça s'arrêtera là, et c'est perdu à jamais pour la communauté scientifique, et puis aussi pour vous, parce que tout ce qu'on trouve, ben, nous fouillons, c'est votre histoire, c'est le cas, nous fouillons pour vous, pour qu'un jour on vous présente tous ces beaux objets dans les musées, et que ces objets ne soient pas dans une vitrine d'un collectionneur. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que parmi le public, il y en a qui ont des questions ? On vous amène le micro. Merci à toutes pour la présentation. J'aimerais juste savoir, est-ce que l'INRAP fait appel à certains volontaires sur les chantiers de fouilles pour les accompagner ou pas du tout ? Non professionnels, évidemment. Alors, malheureusement, c'est compliqué parce que on peut accueillir des stagiaires, mais il faut avoir une convention. Se faire accompagner de bénévoles, c'est jamais simple parce qu'on est dans un cadre professionnel. On peut rediriger, le plus généralement c'est ce qu'on fait, c'est qu'on redirige les bénévoles vers les chantiers de fouilles programmés qui ont lieu souvent l'été sur les sites de recherche. Si vous voulez compléter. Après, c'est des fouilles programmées. Alors, il y a la différence entre l'archéologie préventive qu'on vous a présentée aujourd'hui, donc on vient dans l'urgence avant les travaux. L'archéologie programmée, elle est très bien, elle est géniale, parce qu'elle est faite pour former les étudiants et les gens qui s'intéressent justement à l'archéologie. Donc, c'est vrai que souvent, ce sont des universités qui ont leur propre chantier de fouilles. Donc là, on ne va pas être dans les mêmes méthodes de travail, on va prendre plus de temps, parce qu'on forme les gens, voilà, on travaille sur une problématique différente. Donc là, on accueille soit des étudiants universitaires dans le cadre d'un cursus, ou certains chantiers, comme nos collègues La Fouille des Crassés, hein, ça disait, un super travail qui est mené par nos collègues Raphaël Durost et Stéphanie Desbrosses de Gobertière, qui encadrent tous les ans, depuis presque 10 ans, je crois, non ? Oh, même plus que 10 ans, un chantier programmé où ils fouillent tout un grand, grand site, où là, on va accueillir justement des novices de l'archéologie. Par contre, il faut être majeur, je crois. La seule condition, c'est qu'il faut être majeur.
Voilà. Après, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous donner votre CV, on sera ravis de le transmettre aux collègues. Donc on accepte, voilà, c'est dans ce cadre-là plutôt. Je voudrais rajouter une chose, c'est que nos missions, parmi nos missions, on en retrouve aussi tout ce qui est valorisation. Et justement, on essaye, à travers notre présence, par exemple aujourd'hui à l'UTT, ou les portes ouvertes qu'on va faire sur les chantiers, on essaie de garder quand même un maximum de temps consacré à l'échange avec le public pour expliquer ce qu'on fait, pour montrer nos découvertes. On essaye de faire un maximum de retours vis-à-vis du public. C'est à ces occasions-là qu'on peut échanger, qu'on peut se rencontrer, qu'on peut montrer ce qu'on fait, mais comment on travaille. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement les sites Internet pour voir un petit peu les potentialités qui existent. Voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement intéressant la différence entre du coup l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Merci. Merci vraiment pour cette très belle présentation. Je voulais vous demander comment devient-on archéologue ? Est-ce qu'on tombe dedans tout petit, dans la marmite, ou est-ce que c'était le fait du hasard ? J'aurais tendance à répondre que c'est une... c'est personnel, c'est un cheminement personnel. C'est, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une vocation. Je pense que ça nous est... beaucoup tombé dessus petit, peut-être grâce au cinéma et à l'imaginaire de tous ces chasseurs de trésors. Et finalement, on continue le métier par passion, même s'il est loin des mythes qu'on véhiculait, qu'on imaginait quand on était petit. Moi, personnellement, j'ai eu la vocation à l'âge de 13-14 ans, et c'est ce qui m'a poussée à chercher à devenir archéologue. Je ne sais pas si mes collègues veulent raconter leur cheminement. Il y a quelques enfants d'archéologues qui sont devenus archéologues, mais en général, les enfants d'archéologues font autre chose que de l'archéologie. Donc, on ne tombe pas dedans tout petit. Effectivement, ce que disait Carole, c'est plutôt par vocation, mais à partir de l'adolescence. Et puis après, au fur et à mesure des années... on se rend compte que le métier n'était pas tout à fait ce qu'on croyait au départ, mais finalement, on continue à le faire quand même. Oui, je suis tombée dedans toute petite. Voilà, presque des premiers souvenirs, j'ai toujours voulu faire ça. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Mes parents ne sont pas du tout du milieu. J'allais rarement au musée, enfin, j'allais pas au musée non plus tout le temps. Donc, je ne sais pas, c'était une vocation. Ça commence par les fossiles, les dinosaures, et puis le chemin classique. Chemin faisant, on arrive à être là aujourd'hui et à être archéologue. Donc non, c'est vrai, comme disaient Cécile et Carole, c'est pas toujours évident, comme dans chaque métier. On a des moments de découragement, mais bon, on l'aime, notre métier. Puis c'est ça l'essentiel quand même. C'est un beau métier. Est-ce que, parce que du coup vous avez parlé des artefacts que vous récupérez et que vous emportez dans les labos puis dans les musées ou autres lieux, est-ce qu'il y a des lieux de fouilles qui sont dédiés à rester ouverts définitivement pour le public pour venir visiter sur place ou du coup à l'INRAP, du coup, je suppose que les fouilles préventives se font avant des travaux ou ce genre de choses et du coup le lieu va être potentiellement détruit par la suite. Est-ce qu'il y a quand même des lieux qui finalement sont tellement uniques qui sont restés ouverts? Alors effectivement, dans le cadre de l'archéologie préventive, c'est pas du tout le but de la manœuvre. Le but étant de fouiller donc les vestiges, de prélever les vestiges et toute trace humaine avant destruction, pour laisser construire les projets d'aménagement. Mais dans certains cas, comme là je crois ne pas me tromper, à la fouille de Trois Libérations, donc en face de la préfecture, pour le parking souterrain, je crois qu'il a été conservé en partie, une partie du site dans le parking souterrain. Donc ça peut arriver que certains pans soient gardés, intégrés au projet, mais c'est quand même extrêmement rare. Voilà. Ou alors... Dans de très rares cas, sur un site très très, 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 très important, on peut avoir un classement en découverte exceptionnelle. Pas toujours, mais en tout cas ça arrive. Rarement.
Même le site de Lavaux, que vous connaissez peut-être, n'a pas été classé en site exceptionnel. Les moyens ont été donnés pour fouiller et ensuite pour libérer les terrains. Par contre, on va avoir peut-être des sites dans le sud de la France, des sites qui ont été conservés, qui conservent des niveaux de bâti, une mosaïque, des choses comme ça qui peuvent être conservées. Dans nos régions, malheureusement, on a un petit peu moins de chance. Moins de bâti, moins de mosaïque. Voilà. Et juste un exemple, sur le site de Trois Portes Chaiway, qui a été fouillé il y a à peu près 20 ans, il y a eu une partie du site qui a été conservée, mais pas en place, qui a été déplacée. En fait, c'était à l'occasion de la construction d'immeubles. Et dans un des immeubles, au rez-de-chaussée, il y a eu la conservation d'un hypocauste, donc d'un système de chauffage par le sol, mais qui a été déplacé, qui n'est pas à l'endroit où on l'a trouvé. Il faut savoir que quand on intervient, quand on finit un chantier de fouine en programmé, en préventif, normalement, il n'y a plus rien à fouiller. On a absolument vidé, tout récupéré, tout ce qu'il y a à récupérer. Et donc, c'est pour ça que l'aménagement peut se faire quand on a fini la fouille. Parce que finalement, en soi... L'idéal, ce serait de ne pas fouiller, en fait. Voilà. Il y a plein de sites qu'on connaît sur les cartes archéologiques, on les sait, on les connaît, ils sont répertoriés, mais on n'ira pas, et, sauf s'il y a aménagement ou autre, mais le but étant de pas... On fouille, de fouiller, c'est destructeur également, enfin, quelque part. Donc, bon, voilà, c'est, comment faire ? Il n'y a pas de solution, peut-être, voilà. Okay, super, merci, c'est intéressant, parce que du coup... Pour parler un petit peu, je fais une thèse sur la valorisation des lieux de patrimoine lors de la visite autonome. Et du coup, comment est-ce qu'on peut transmettre des savoirs dédiés aux lieux ? Et du coup, bah, pour le fait, pour avoir des, avoir des savoirs à transmettre sur les lieux, il faut les avoir fouillés. Mais du coup, le but, c'est de visiter des lieux tels quels. Et dans ce cas-là, ils ne sont plus tels quels, évidemment, puisqu'ils ont été fouillés. C'est un peu la dualité qui me pose souci. C'est pour ça que c'est très important d'être très méthodique et minutieux. Donc on ne fouille pas aussi comme ça en prenant les objets, sans non, tout est noté. Alors, on ne vous a pas parlé de tout ça, c'est les méthodes de l'archéologie, mais tout est noté, référencé, géolocalisé. Maintenant avec les GPS, tout, voilà, on peut tout. Si on voulait, on pourrait même la photogrammétrie, on peut refaire, on fait des 3D, on fait de la reconstitution, on peut faire du facsimilé. Bon, tout ça, il faut des moyens. Les moyens qu'on n'a pas forcément, malheureusement. Malheureusement. Le monde de la recherche n'est pas forcément toujours bien doté, toujours, je me permets de le dire, et à titre personnel. Voilà, qu'on a plein de projets, mais qu'on peut souvent pas réaliser par manque de temps et de moyens. Voilà, c'est pas l'envie qui manque. J'imagine bien. Non, je voulais réagir, mais tu as déjà répondu à ce que je voulais dire. Il faudra qu'on se voit après, d'ailleurs. Parce que justement, ce qui est intéressant avec ces nouvelles technologies, c'est justement de propulser le site au-delà de la terre, au-delà du sol, au-delà de la découverte, et de travailler sur ces restitutions 3D qui sont tout à fait faisables. Alors certes, peut-être pas dans le cas de l'archéologie préventive, parce que ce n'est pas le but, mais dans le cas de valorisation et de partenariat avec les musées, ce qui nous intéresse beaucoup actuellement, et qui permet du coup au public de matérialiser notre métier, de matérialiser la découverte, qui chez nous, comme disait Carole, est moins prégnante parce que on trouve des trous de poteaux, des fosses, des choses qui ne sont pas forcément parlantes à tout le monde, et la 3D et l'imagerie va pouvoir nous permettre maintenant de sortir du chantier de fouille. Donc ça, c'est quelque chose qui sera intéressant à développer. Oui. Et avec l'UTT, apparemment, c'est tout à fait faisable. Donc je lance un appel. C'est notre collègue, hein, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Donc voilà. Mais oui. Profitez, vous avez 3 archéologues qui sont à votre disposition pour toute question. Voilà. En tout cas, je me permets, au nom des collègues, de vous remercier, de vous remercier d'être venu, de remercier également l'UTT pour cet accueil chaleureux, et comme toujours. Et donc voilà, merci à vous. Je laisse mes collègues dire un petit mot si. Bien, merci. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait
autant de monde, même si vous êtes peu nombreux, ça fait plaisir. Merci. Merci d'être venu, merci de nous avoir écoutés et merci à l'UTT pour leur accueil et la proposition de faire une conférence. Je pense qu'il faudra renouveler. Voilà. Merci.